Salut les castors, comment ça va-t-il bien? C'est Momo au bout du micro et dans le magnéto. Et ce matin, c'est 7h53 du matin. La journée s'annonce compliquée. Mais bon, randonnée VTT à côté de chez moi, donc du côté de Marsac. Donc on a dit, on va quand même y aller. Mais je pense qu'on va se mouiller. Allez, à tout à l'heure. Wouhou! On part à l'aventure, comme d'habitude. Apparemment derrière il y en a un qui est chaud patate, hein. Je crois que c'est notre ami Marco qui vient, qui me colle le cul. Pardon, le programme s'il vous plaît. Pardon. Ouais, c'est ma gueule que tu veux voir, c'est ça. Zé, la bouche. Mais on n'est pas aidé, hein, dans le groupe. Donc si vous voulez nous rejoindre, on prend tout le monde, hein, on prend même les handicapés. J'ai l'impression que tout le monde est déjà parti. Non ? Tout le monde est déjà parti, ils nous attendent pas, ils sont passés le pas. Pas de publicité, après on va m'accuser de faire du placement de produit. GPC. Donc le 40, tu suis quoi ? On fait le 40 hein ? Bon, qui c'est qui remplace Thibaut aujourd'hui dans les galères? Hein? Je cherche pas, hein? D'accord. Donc le boulet aujourd'hui, c'est moi. Problème de valve. Donc on regonfle et on essaye de recoller devant. Alors les copains, bien sûr, ils se foutent de ma gueule. Hein? Mais bon, que ça leur arrivera, on leur rappellera. Donc, on est en train d'essayer de rattraper devant, de recoller. Oh, de la boue! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de la boue. Donc il a mis de la gueule depuis la Cap Nord, non hein? C'est pas galère, c'est vrai. Ouais, j'ai l'impression que pour ciné, là, hein, il se fait plaisir un peu. Il a un melon comme ça. Le mec là devant, là, il a un melon comme ça. Comme ça. Et une petite comme ça. Et un petit kiki comme ça. Gasse à fond.
Bon, mais Thibaut, si tu regardes cette vidéo, sache un truc, tu nous manques pas trop. Voilà, le rythme est beaucoup plus soutenu que quand il est là. On est toujours obligé de l'attendre. Donc, pour pas trop qu'on soit désavantagé, j'ai fait le mec qui avait crevé, mais en fait, c'était pas vrai. J'avais juste dégonflé un peu. On s'est arrêté deux fois juste pour, voilà, pour être dans le rythme de Thibaut. On s'est roulé. Alors aujourd'hui, c'est vachement mouillé. Donc, ça glisse pas mal. On serre les fesses. Ravitaille Wambi. OPA sur la saucisse. Allez, on va tout leur manger. Hein? Dégueulasse ces mecs. C'est bon ça. Hein? C'est bon. Avec un peu de ça là. Ah, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Une coca. Les Bartassines qui arrivent, il faut partir. Ah, il y a pas, vite, vite. Ils vont tout manger, ils vont tout manger donc. Voilà. Voilà. Nous, on se sentait seul. Il n'y a plus rien. On a tout mangé. Il y a un peu moins de monde, non? Ouais, moins que l'année dernière quand même. Bah, ouais, bon, c'est pas, c'est par rapport au temps, quoi. Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais, ça. Ouais, bon, après, c'est roulant. Hein, y a pas, oui, je regarde. Et c'est mieux quand c'est un petit peu mouillé, quoi. Les terrasses sont un petit peu plus. Ouais. Quand c'est sec. Moi j'ai du mal. Ouais. Ouais, moi je préfère sec aussi. Ah, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Non, mais vous êtes pas de sinon. Ah ouais, nous. C'est de... combien il y a eu de. Il y a à peu près 90 VT10 pour une trentaine de marcheurs. Beaucoup moins de monde que l'année dernière. Beaucoup moins que l'année dernière. Bon, ben. Vient de passer le premier ravitaillot. Je crois qu'il y en a qu'un de toute façon. Et ben, on va vachement plus vite en descente. Je sais pas. Je comprends pas pourquoi. Par contre, en montée. C'est dur. Allez, tout à l'heure. Je crois que j'ai perdu le poumon droit là. Si jamais si vous le retrouvez là moi. Il a pris la grosse tête quand même. Ah ouais. C'est plus ce que c'était. Hein. Ah ouais, et puis il y a Thibaut, il le remplace. Bon. Ouais, il sort dans les flaques. Hein. Mais après il va se faire engueuler par sa femme, hein, parce qu'il aura sali ses vêtements. Ah oui, tout à fait. Hein. Regarde, déjà il a fait le gros cochon. Moi j'ai dit, c'est la période des pastèques, il a pris la grosse tête. Eh ouais, comme ça les mecs. T'as vu depuis qu'il a signé un autographe au ravitaillement, hein, ouais. Il se sent plus. Hein. Ah ouais, j'avoue. Ouais. Hein? Quoi? Monsieur, je signe des autographes. Ouh, ça glisse où?
il n'y a plus qu'à nettoyer le VTT et je pense qu'on va se faire une petite sieste devant le Tour de France. Ça va être nickel ça. Mais ça y est, on a fini la rando de Marsac. Tout s'est bien passé, nickel, la météo a tenu, pas une seule goutte de pluie. Pour tous ceux qui sont pas venus, eh bien, vous pouvez être dégoûtés parce que c'était super sympa. La saucisse et tout, le repas à la fin, nickel. Franchement, on est très très bien reçu chaque année à Marsac. Donc, je vous dis semaine prochaine, rendez-vous du côté de Saint-Pierre de Trévisy, dans le Tarn, rando VTT. Je crois qu'il y a 3 ou 4 parcours et je pense que ça va être bien sympa. Le relief là-bas est vraiment intéressant. Je pense que ça va être une jolie rando. Donc, tous rendez-vous à Saint-Pierre-de-Trévisy. Et je vous dis à bientôt. Salut les castors. Wouh. Yepa.